Salut tout le monde, c'est Trosacco. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo coupage de griffes de votre animal. Donc aujourd'hui, on sera en compagnie de ma maman pour m'aider à lui couper parce qu'il faut et le maintenir et lui couper ses ongles. Donc vous aurez, enfin ses griffes, pardon. Vous aurez besoin d'un coupe-ongles, voilà, assez grand et d'être patient, enfin de le rassurer. Donc, on va faire celle de derrière. Voilà. Donc, on va bien couper parce qu'elles sont assez grandes. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. Un peu de biais en fait. Smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old. Donc voilà le résultat pour la première patte. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc, on va faire la suivante. Il a un peu peur, Donc voilà pour les pattes arrière de votre cochon d'Inde. Donc celles de l'avant, elles sont assez longues aussi. Après en récompense généralement il donne une carotte. Donc là vous le prenez comme ça, vous mettez l'index vous mettez l'index au-dessus de ta patte et en dessous de ses pattes vous mettez vos autres doigts de manière à bien le maintenir. Pour qu'il soit rassuré et qu'il soit dans une bonne position. Voilà. Donc le coupage de griffes, on le fait à peu près. Ça dépend la longueur des griffes de votre cochon d'Inde. Après, moi, il pousse pas très vite ses griffes parce que c'est vrai que il les use, donc c'est bien en fait. C'est une usure naturelle. Donc on le coupe à peu près tous les 2 mois, quoi. 2 mois. Après, n'attendez pas 2 mois pour le couper, c'est vite. Il y a un peu de peur. Après, les finitions, si vous voyez que ces pattes... Ces griffes ne sont pas à la hauteur que ça vous convient. Donc, les griffes avant, voilà, elles sont courtes. Et les griffes arrière. Donc voilà, enfin, en fait, on voit pas. Je sais pas si vous allez voir parce qu'avec tous les poils qu'il a. Bref, donc, Trognon vous fait de gros coucou. À une prochaine vidéo.